Yo, c'est pas gros, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes depuis Bombadou Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Nous pas démarrer tout de suite avec information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes voulait remercier tout abonné nous et puis nous saluer tout ça toujours qui nous commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombadou Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécier ça. Si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet que vous faites partie équipe notification TV Caraïbes. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous avons déroulé avec information. Yo, on nous est. Unité spécialisée dans la police nationale d'Haïti a empêché deux sénateurs d'entrer dans le Parlement haïtien. Non, c'est sénateur Jean-Renel Sonatis et Dieu Piché. Et après intervention, ça, un groupe machin couru qui était marché sous place Italia pour entrer dans le Parlement à cause des tensions qui étaient gagnées dans la zone ça après incident. Parlement ça ou pas de rentrer dans Parlement. L'autre information nous voulons partager ensemble avec vous. Président Sénat République là, Pierre-François Sildo, ba intervention sur divers dossiers qui concernaient institution. Eh bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé coulier. Depuis le fini, elle me dit pas rentrer. Et puis là, ça me va pas rentrer. Ok? Même si je suis là, je suis là. Depuis que je mette dans le cas là, ou je mette dans mal, mal la justice, ou après tant de juges là, je dis non, ou coupable sorti. Vous comprenez ça très bien passé. Nous venons pour entrer dans le Parlement, c'est le palais législatif. Au palais législatif, c'est l'Assemblée qui valide le pouvoir. Nous ne recevons pas aucune note de aucune personnalité qui dit ne pas rentrer dedans. Et pas dans la dictature, nous ne sommes pas dans 57 pour nous vivre son régime démocratique. Nous avons prétendu avoir un problème. Merci, monsieur. Nous avons machine de vous retourner. Non, nous avons prétendu. Nous avons prétendu. Jean-René Sénatis, pour me dresser un procès verbal constant. Oui. Non, même pas besoin de connaître. Non, s'il va garantir tout simplement. Oui, il me dresse un procès verbal. C'est ministère forcé, pas moi-même, pas demander des fonds. Ok, merci. À la requête du commissaire Jean-Renel Sénatis, étant donné que nous avons un ministère forcé, nous avons une requête, c'est sous requête là nous déplacer, nous venons dresser un procès verbal conformément à la loi. Constater que le commissaire a un empêchement pour l'entrée en d'un bâtiment qui loge le Sénat de la République. Là. On va sauver la saline.
Rencontre-moi avec la presse, c'est pour me faire le point sur la formation du nouveau bureau. Nous avons plus le commentaire, plus le critique qui fait, qui dit pas grand quorum, que il fait allusion à la déclaration un collègue du Sud qui était ancien vice-président dernier bureau, hein, qui dit c'est lui-même qui fait office de président. Nous devons clarifier ça pour la presse, pour le public, pour la population, que l'article 12 du règlement intérieur, et tout journaliste à grand droit consulter par la suite, il dit chaque deuxième mardi de janvier, il va procéder à l'élection de nouveaux bureaux. Et ce doyen d'âge-là qui est assuré intérimement si formation ça a pas, si formation nouveau bureau n'a pas fait. Comme nous avons l'air, en plus de l'élection a été faite, dans les deux cas, nous appliquons le règlement interne, qui est l'article 12 du règlement interne, la formation de bureaux le deuxième mardi de janvier. Et dans le deuxième cas, le journaliste qui a été reçu, moi qui ai commencé à présider l'encontre comme doyen d'âge. Quel que soit le cas d'espèce, nous sommes toujours là comme président du bureau. C'est la première clarification que nous avons besoin de faire. Que nulle part, dans le règlement intérieur du Sénat de la République, il n'est pas dit que c'est l'ancien bureau qui fait office le deuxième mardi du mois de janvier. Le deuxième mardi du mois de janvier, l'ancien bureau tombe. Si par une élection, c'est le doyen d'âge qui assure intérimement, selon l'article 12 du règlement intérieur du Sénat de la République. Point 2. Je parle de bureau spécial, de bureau restreint, bureau spécial. Il y a plus de journalistes qui étaient là, c'était une proposition de l'honorable sénateur Denis Cado. Étant donné que c'est 10 tout payé, la charge de travail de 14 commissions, lui était proposé, lui proposait que nous avons un bureau restreint, un bureau réduit. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'un président, un vice-président. Nous, secrétaire, un premier secrétaire, un deuxième secrétaire, ça fait 4. Nous, questeurs, un vice-questeur, ça fait 6. 6 sur 10, nous n'avons pas besoin. C'est déjà qu'on me dit ça. Il s'est proposé un bureau restreint et était un consensus. Nous bien expliquer le consensus là. Ça veut dire que pas d'objection. Tout le monde était d'accord là-dedans. Et c'est ça que fait nous proposer pour former un bureau comme ça. Un président, un vice-président et un secrétaire. Donc, c'est ça nous avons le bureau restreint qui parle tout le monde là-dedans. Mais, pas aucun problème maintenant pour le bureau, on regarde l'article 12. Même si l'article 12 l'a dit, il faut que tu aies un président, vice-président, questeur. Et premier secrétaire, deuxième secrétaire, et dans la modification qui était faite dans le règlement intérieur, là, qui a ajouté le vice-questeur. Dans le dernier bureau, tu es un questeur adjoint. Donc, pas de problème sur ça. Troisième point, c'est la position du Sénat par rapport à la caducité de la 50e législature et le constat de la fin du mandat de 2/3 du Sénat. On va y parler. On va pile parler pour nous-mêmes. Même qu'on est, nous-mêmes, comme des journalistes avisés et population en tout, qu'on est, ce n'est pas un sujet qui a l'ordre du jour maintenant. C'est un bail qui l'a depuis longtemps. Et grand pile juristes et non des moindres qui réfléchissent prononcer sur ça. Samuel Madis, Maître Renaud Georges, Maître André Michel, Maître l'ensemble des acteurs maintenant de Kinam. Ensemble, acteurs de la politique, de la Mariotte, parce que tout le monde, comme magistrat, la société civile, tout le monde parlait de ça. Et nous-mêmes, comme journalistes, tout, il y a en pile émission que nous faisons, et dans l'émission, ça nous parlait de ça. C'est un débat fait côté, on va entendre. Des juristes chevronnés, qui d'accord pour dire aller, qui d'accord sur un tiers. Des leaders politiques qui sont propres sénateurs, dans le deuxième tiers, qui d'accord pour y aller. Ok? Et si nous prenons un cas, de mobilisation que tu as côté demandé tabula rasa. Tabula rasa, ça veut dire tout parlement allé et tout exécutif allé tout. Rappelez, accord Mariotte. Tu as demandé tout, et tu as un sénateur là-dedans qui signe accord Mariotte là-dedans.
Ça montre aussi que nous pas jamais tomber d'accord. Un, d'abord, pour un tiers, pour deux tiers, ou encore pour tout parlement. Donc c'est un bail très débat. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. Donc on constate fait de caducité 50e législature. N'oubliez pas, 50e législature là, c'est une chambre de députés à faire. Chambre de députés à faire 4 ans au complet, pas grand problème là. Deuxièmement, ce constat, deux tiers du Sénat, c'est là qu'il y a un problème, grand contentieux. Parce que Guérec dit, c'est un tiers, Guérec a dit deux tiers. Et, dans le deuxième tiers là, heureusement, il y a des avocats là-dedans. Mais même, ils n'ont pas d'accord avec les mesures là, qui touchaient eux, les mesures qui visaient eux-mêmes. Ils ont porté plainte, ils ont fait recours. Et c'est un bon bagaille. Ils ont fait recours par devant le tribunal correctionnel, ils ont fait recours par devant le CEP. Et CEPA, c'est l'article 197, je crois, qui fait de CEPA le juge de contentieux. Alors, quelle est la position du Sénat de la République? Quelle est la position du bureau? Nous pas de position. Parce que le Sénat de la République est une branche du Parlement. Son branche liée. Il n'est pas Parlement. Un. Deuxièmement, le Sénat de la République n'est pas le juge des élus, du mandat des élus. C'est pas Sénat qui dit un sénateur pour faire 2 ans, pour faire 4 ans. C'est pas lui-même qui prononce le résultat. Donc le Sénat de la République n'est pas le juge du mandat des élus. Que au Kazek, Azek, et sénateur, député, président, c'est pas nous-mêmes. Et c'est ça que fait groupe sénateur qui sentit visé, qui touché, qui sentit que droit est violé. Ils font recours par devant le tribunal correctionnel, ils font recours par devant le CEP. Nous-mêmes, respectueux de la loi, nous attendons. Si on contentieux gagne, nous attendons que le contentieux a vidé, et à ce moment-là, nous n'avons pas pris la décision de la justice. Donc, nous pas juge. Sénat n'a pas qu'à prononcer, Sénat n'a pas qu'à dire. Et deuxièmement, article 207, règlement intérieur, a dit que lorsque la justice saisit d'un bagage, le pouvoir va entrer. Alors, ces deux pouvoirs, ces deux sénateurs qui appartiennent à un pouvoir, qui sentit que ils ont violé le droit, ils ont porté plainte et n'ont pas de résultat tribunal là pour le trancher. Voilà, étant donné par un conseil constitutionnel. Quatrième point, les travaux de la commission et la formation de la commission. Lors d'entrée, 10 sénateurs ont posé question, pas grand chose de barrer, pas fait. Et c'est la première fois qu'un 10 sénateurs qui siègent. Pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc, ça a arrivé déjà et on approche charge de travail. Là, il est dur, pas qu'à faire tout. Et c'est ça qui fait qu'on y a une formation de commission fondamentale. Parce que article 169-70, règlement intérieur, parce que lui-là, tout journaliste doit venir, m'a fait consulter, article 70 règlement intérieur, dit comme ça que chaque 2 ans, il faut former commission permanente. Donc on forme formation commission. Et le règlement intérieur là, c'est cette commission après. C'est amendement règlement intérieur qui fait passer à 14 commissions. Donc on y en a pour groupé. Et chaque sénateur, pour nous discuter entre nous-mêmes, chaque sénateur peut faire ça, le café, ça, le café là-dedans. Et formation commission, nous avons commencé déjà, nous reporter, parce que nous avons au moins tous les sénateurs là pour nous faire et formation commission. Quatrième point, c'est le personnel du Sénat de la République, parce que il y a des gens qui voient ça, et c'est des problèmes nous parlons là, parce que nous avons invité la présidente, parce que je viens d'arriver et nous recevons maintenant un rapport du consulat des comptes qui paraît-il a retourné ensemble de contrats. Je n'ai pas pu connaissance encore, ils ont appelé le contrat qui a ben un problème avec par rapport à contrat sur rien. C'est un dossier ma bien sur lui-même. Pour nous garder ça. Enfin, ça nous a dit ensuite. Nous a dit nous voulons être serein. Pays a gain un pile problème et Sénat a gain problème. Ce n'est pas qu'on y a un problème. Nous avons dernier, nous témoins que dernière fois maintenant Sénat travaille avant. Le 14 janvier, c'est 23 septembre. Et nous, tous là, témoins, nous avons risqué tout, comme journalistes, nous avons s'activer qui ont été envahis par des personnes, par des mondes maintenant qui appartiennent au Sénat, et qui étaient violents. Nous avons un sénateur qui était poussé, un sénateur qui était peur, et dans pile bac a été arrivé là. Donc nous pensons que là, il faut que nous tous pour nous reprendre nous, avec discipline, pour mettre discipline, pour un journaliste qui est là parce qu'il est menacé. Pas pour un problème pour nous, même tout ne pas se sentir menacé, pour personnel qui l'a pas se sentir menacé. Et comme institution publique, si il y a un monde, n'importe quel citoyen qui vient de un bagaille là, pour leur rentrer de l'autre côté, il sortit même jour par entrer dans l'entreprise, l'entreprise publique ou en entreprise d'État. C'est bagaille n'a pas cherché là, là-dedans. Un peu d'ordre. Et finalement, ça me t'a dit encore, c'est que nous connaissons le pays à grand peu de difficultés. Donc, gros problème d'insécurité qui frappe le pays. Pas seulement pour Port-au-Prince, pas seulement Matissan. Mais seulement c'est tout le pays. Mais Port-au-Prince, il commence très, très grave.
nous avons recommandé c'est une priorité que l'État, dans ses proposants de ses différents pouvoirs, travaille ensemble pour nous arriver à nous rapporter ou remettre la solution. C'est qu'on va calmer, nous allons commencer à remonter avec Bangame, quatre batailles, nous remonter avec sous question kidnapping, tout ça, c'est des bagages pour nous prendre très au sérieux. Et on demande à mon institution qui est en charge là, notamment l'exécutif, le CSPN, pour le travail avec des plans opérationnels pour permettre de baisser, réduire et phénomène ça qui prend de plus en plus d'ampleur. Et nous ne nous chance parler avec le directeur général de la police, la police, qui font un bon travail. Et nous profitons pour nous féliciter maintenant tout le PNH, un beau travail qui fait. Et nous connaissons plus de moyens que pas gagner. Nous avons suggéré, nous avons toujours recommandé pour CSPN, nous avons trouvé moyen pour bah, maintenant la police pour continuer à faire travail. Et nous demandons maintenant tout acteur politique là, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, que tout le monde mette ensemble pour nous dire insécurité n'est pas bon pour personne, n'est pas bon pour le pays. C'est pas que le pays a fait, c'est pas progrès nous fait, c'est pas avancer nous avancer, c'est pas qualité de vie population qui a amélioré, c'est dans le désespoir sa métropolation. Pour nous tous maintenant, essayer de dépasser nous, de nous montrer nous plus sensibles, chasser insensibilité ça par nous-mêmes, vous le faites. Et notre acteur maintenant qui a porté munitions, qui a acheté provisions, il faut l'État sévir contre eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui ont mis des munitions, qui ont mis des sécurités, avec toute extrême rigueur qui a gagné en ça. Pour dispositif de sécurité qui semble avec ça devant, je ne parle pas de moi. Je n'ai pas demandé ça. Je ne parle pas de moi et je crape la machine, je descends vite, je dis c'est le président du Sénat, je vais rentrer. Je vais garder tout dans la machine, je vais rentrer, parce que je ne vais pas me cacher. Deuxième bagaille, l'État doit faire tout le monde. Deuxième bagaille pour question matérielle là. RGA, secrétaire général là, il sortit une note qui demandait pour tout ancien sénateur, sénateur pas en fonction, pour ancien personnel qui est en rupture de contrat, qui démissionnait ou bien révoqué, qui est matériel de retourner, c'est un bail qui est normal. Très très normal. Et si le sénateur n'a pas senti concerné par mesure là, je ne vais pas dire pour porter, ça ne peut pas faire cas ça. Parce que quand un sénateur n'a pas bien son cas qui est contentieux, maintenant, mon sénateur qui déjà voyait le matériel pour nous là déjà. Maintenant, ce matériel vient, que ce soit un matériel ou que ce soit ordinateur, son téléphone, tout ce sont des acquis normal. Moi-même, dans l'entreprise déjà, nous travaillons, je révoque ma jeté deux jours après, je ne voyais ni machine, ni pistolet, ni projectile, ni téléphone, moi, ni ordinateur, je voyais. Nous travaillons dans deuxième entreprise, même clé USB. Que nous faisons matériel ou faisons remettre lui. Ce n'est pas un problème. Et puis, l'un fait ça, ce n'est pas un bagage. C'est un inventaire qui va le faire. Qui ont qu'à faire un inventaire de un actif pour gagner. Qui ont qu'à faire un inventaire de bien gagner s'il n'est pas là. C'est audit qui a fait un inventaire. Il faut bien là pour constater physiquement. C'est ça, on m'a dit. Ce n'est pas un pas. Et puis, un bagage tout, comprendre que je fais acte de méchanceté. Non. Écoute, nous respectons les sénateurs et trop. Non, pour le sénateur, il n'y a pas de possibilité qu'il n'y ait pas de machine dans même. Si on a une machine qui retourne, on bien sénat, il a toujours retourné. Même pas pour ça fait problème. Voilà. Voilà. Équipe TVKA et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.